I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanity. Yo tout le monde, c'est Louis. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur PES 2021 Lille Nantes. Sur ce, bon visionnage. Bonjour à vous, si vous nous rejoignez à l'instant, on était justement en train de dire que les conditions de jeu étaient parfaites. Un ciel dégagé, des tribunes qui se sont remplies, une magnifique ambiance, une pelouse presque parfaite. Bon, je vous épargne le bulletin météo complet, je me permettrai juste d'ajouter que c'est un grand plaisir de vous retrouver pour ce match et de vous remercier pour votre fidélité. Merci. Au passage, j'espère que vous appréciez ce stade. Plus un siège de vide. Et coup d'envoi de ce match. C'est bien, conserver sa lucidité maintenant. Moussa Sissoko. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. C'est bien ce qu'il fait là. Il s'échappe côté droit. C'est bien fait. Il vise le second poteau. Gomez qui cherche à construire. Un ballon devant la cage. Et il dégage. Et c'est directement récupéré. Il progresse encore. Oh, quel geste! Un centre vers le second. La tête, elle est magnifique! Et l'arrêt est magnifique! Ah, ça c'est magnifique! Chapeau! Rappelons que cette équipe est invaincue à domicile cette saison, une série qui pourrait bien se prolonger aujourd'hui. L'intervention de José Fonte. C'est joué long, attention. Ah, c'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Il y a peut-être un coup à jouer. Bamba ! Splendide! Quelle classe! C'était un arrêt extraordinaire! Premier corner dans cette rencontre. Un peu d'oxygène pour sa défense. Gomez. Ça bouge, côté gauche. Il a tenté, bien joué. Il est en bonne position pour centre. Et la tête! Bon but pour Lille! Et ouverture du score pour Lille! Un bon centre et une tête tout aussi parfaite. Voilà, ça c'est une tête. Un peu de sang-froid, une bonne dose de conviction. Et ça nous donne un but. Le premier but dans cette rencontre. Vivement la suite. Bon, ça c'est fait. Maintenant, il va falloir garder ce tempo. La passe dans la profondeur.
Il y a beaucoup de mouvements sur les côtés, vous ne trouvez pas? Oui, c'est vrai que je me faisais la même réflexion. À mon avis, ils essaient de créer des espaces dans... Faut tirer là! Et le cadre se dérobe largement. Oh, franchement, c'était pas le plus dur à mettre celui-là. Il en a marqué des beaucoup plus difficiles. Quel mauvais choix! Pour filer droit au but. Bonne lecture de la trajectoire. La faute est sifflée. C'est osé. Elle continue sa course. Il centre dans l'axe. C'est un corner pour Lille. C'est dégagé. Et un contact qui n'était pas régulier. Coup franc. Le gardien loin devant. La bonne passe. Il n'a pas pu se retourner face au but. Quel dommage. Moussa Sissoko qui est récompensé de son pressing. S'il le trouve, voilà une bonne occasion de contre. Il enchaîne les dribbles. C'est bien fait, ça. Oui, c'est bien défendu, c'était dangereux. Alors là, bravo au défenseur. Il fallait l'oser, ce geste. Et surtout, il fallait le réussir. Gomez, qui est donc passeur décisif dans cette rencontre. Il relance côté droit. Et ce ballon devant le but. Bien, bonne intervention. C'est le moment de centrer. La passe est précise. Oh, le bon ballon. Il la tente. Danger repoussé pour le moment. Lille mène 1-0 et a complètement fait taire l'attaque adverse. Zéro tir concédé. C'est une faute, l'arbitre intervient. Moutoussamy. Il ne résiste pas au contact. Il allonge le jeu. Une occasion dans la surface. Ça ne passe pas. Il se rattrape bien. Il cherche son coéquipier. Ça peut faire mal. Oh, la main ferme. La parade spectaculaire. Ah oui, il semble déçu. Il pensait bien que ça allait au fond. André Giroteau. Ce sera une remise en jeu. Il frappe loin devant. Un long ballon vers l'avant.
progresse encore. Le centre devant le but. Et c'est la pause ici. Les deux équipes regagnent donc les vestiaires avec ce petit but d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. Et il mérite de mener à la pause. Le public est satisfait. Il faut qu'il continue comme ça. 1-0. On espère quand même voir un peu plus d'efficacité offensive en seconde période. L'arbitre siffle le coup d'envoi de la seconde période. Oui, mais attention à ne pas se reposer sur ses lauriers. 1-0, ça pourrait vite basculer. Il s'est récupéré facilement. Nantes, qui s'est offert le point du nul lors de son dernier match, alors qu'il y avait quand même une très belle équipe en face. Quelle inspiration ! Et bon centre dans la surface. Il dégage. Pourquoi pas, très fort, très loin, ça soulage. C'est bien intercepté. Le dégagement. Bon service dans la profondeur. Oh oui ! Attention à ce centre. Oh, le tir ! Il est là pour dégager. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Le bon dribble. Oh, la frappe ! Ça rentre ! Ils creusent l'écart. Ils ont maintenant 2 buts d'avance. Face au but, démarqué, ça ne pouvait pas se terminer autrement. C'est très très bien joué là, il savait exactement où se placer pour attirer ce ballon. C'est reparti sur ce score de 2-0. Alors là, c'est un but qui fait du bien. À 2-0, ils peuvent voir venir. Ça part de l'autre côté. Et cette longue transversale sur l'autre aile. Il est passé. Et il perd l'équilibre. Faute, oui, l'arbitre a sifflé. Embray maintenant. Ganago. Gomez. Quelle séquence de passes. Collectivement, c'est parfait. Oh, quel geste. On joue sur l'aile, il est servi. Le coup de sifflet, ce sera une faute.
Ça, c'est du sacrifice. Ils étaient en très mauvaise posture, il fallait intervenir. Malheureusement, c'est le genre de choses qui arrivent dans une telle situation. Oh, il s'en sort bien, l'arbitre ne sort pas de carton pour cette fois. C'est une vraie occasion, il peut décider de tenter sa chance. Oh, l'occasion rêvée pour prendre le large. Il y avait du monde, mais ce dernier geste manque de précision. Nantes, qui on l'a vu, concentre ses efforts défensifs dans l'axe. Oui, on dirait qu'ils ont peur des centres adverses. Bon, ils n'ont pas tort, hein. C'est une équipe qui marque souvent sur ce type de situation. Le tout sera de ne pas trop déserter les côtés quand même. Dans la profondeur, c'est bien donné. Il y a peut-être un coup. La frappe, attention! Oh, dommage, la passe était parfaite. Ça démontre toute l'efficacité de ces ballons en profondeur. Tout ce qui manquait, c'est une meilleure finition. Lille qui utilise les forces de son effectif. Cabella qui récupère ce ballon. Il joue sur sa gauche. Oh, le contre, l'arme fatale. Le bon dribble. Il s'impose physiquement dans ce duel. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Ah, il n'a pas pu se mettre en position de frappe, c'est rageant. Il change complètement de côté. Changement d'aile, magnifique. Il a trébuché sur cette intervention. Gomez, c'est joué long, c'est dangereux. Cabella! Le ballon dans la profondeur. L'interception, c'était chaud. Faut que ça va partir vite. Bien servi. Va-t-il en profiter? En retrait pour repartir proprement. Le bon ballon. Il est bien placé. Ganago, la relance côté droit. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Moutoussami. Et il cède sous la pression. Quelle passe! Ça peut partir en contre. Dans la profondeur. Oh, c'est bien fait, c'est bien donné. Il est passé. C'est une occasion, ça! Techniquement, c'est superbe, mais ça ne donnera rien. Ah, ça, ça tricote! C'est le genre de joueur qui peut faire la différence à lui tout seul. On profite de cet arrêt de jeu pour effectuer un changement. Le premier changement n'a pas franchement été décisif, alors là, l'entraîneur abat sa deuxième carte. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Il tente de la jouer dans l'espace. Oh, le bon ballon. Quel jaillissement. Et dégagement du gardien. Bien joué, ils vont pouvoir repartir. Bamba. Cette fois, c'est terminé. L'arbitre qui met un terme à la rencontre. Ils s'imposent et peuvent fêter ce magnifique succès avec leurs supporters. Le talent fait toujours la différence. Que c'est bon d'en avoir une nouvelle preuve aujourd'hui. C'est l'heure du bilan. Qu'avez-vous pensé de ce match? Ah, mais vous savez que j'aime le football offensif. Donc là, je ne peux qu'être heureux. Moi, j'aime lorsqu'on utilise les ailes comme ça pour étirer l'équipe adverse. Et il faut dire, ça a bien marché. On doit se quitter maintenant. Merci Darren et merci à tous, surtout d'avoir suivi ce match avec nous. C'est toujours un plaisir partagé. Thank you.
Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous, mettez des likes et activez la cloche de notification. Ciao tout le monde.